Comment une rupture peut devenir un cadeau dans ta vie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Épanouie. Je m'appelle Angélique, je te partage des outils de développement personnel pour vivre avec plus de conscience. Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé, dans la 29 et la 30, nous avions parlé de la courbe du deuil. Aujourd'hui, elle fait un peu suite, c'est la numéro 30, elle fait un peu suite à ces vidéos-là où on va aller chercher quel est le cadeau de la rupture. Alors je sais, ça peut te sembler surprenant ou impossible à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas, arrête dans un premier temps, arrête de ressasser tout ce qui s'est mal passé, parce que tout ce que tu vas faire en faisant cela, tout ce que tu vas réussir en faisant cela, c'est à entretenir de la rancœur et à vivre dans le passé. Je vais t'expliquer en trois étapes comment est-ce que tu peux faire en sorte que cette rupture devienne un cadeau. Alors la première étape, c'est d'identifier ce que la rupture t'a permis d'apprendre sur toi-même. Alors, un exemple. Le contraste avec ton ex était tellement important que tu as dû constamment te défendre pour savoir qui tu es. Tu as dû constamment défendre ton système de valeurs. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Eh bien, c'est qui je suis et quel est ton système de valeurs. Le qui suis-je et quel est ton système de valeurs. Il est possible qu'il avait un caractère tellement fort et puissant que tu as dû vraiment développer beaucoup de confiance en soi, d'assertivité pour te défendre et pour te positionner. Et ça, ça peut être aussi de nouveaux acquis. Si ce n'est pas encore le cas, ça te permet en tout cas de mettre le doigt sur les nouvelles ressources que tu as à travailler sur toi-même pour ne pas reproduire dans ta prochaine relation. Donc la première étape, c'est définir ce que cela t'a appris sur toi-même et bien entendu travailler à acquérir ces nouvelles ressources. Deuxième étape, et là ça peut te surprendre, mais il faut remercier ton ex, remercier la situation pour tout ce que cela t'a appris. Alors quel est le but de cet exercice? C'est tout simplement de ne pas continuer à entretenir la rancœur, mais plutôt d'avoir de la gratitude pour ce qui est, pour ce que cela t'a appris, et de te mettre dans une forme d'espoir finalement, de projection future, de vivre dans l'avenir. Donc on ne vit plus dans le passé, on vit dans l'avenir. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vis dans l'avenir, je vis de manière positive, je vis avec une attitude positive. Donc, deuxième étape, c'est remercier et faire preuve de gratitude pour ce qui est. Troisième étape, ce sont les projections mentales. Alors là, il y a des tas d'exercices qui existent où tu fermes les yeux, tu te mets en état de relaxation et tu imagines et tu te projettes comment c'est et comment ça se passe et comment est-ce que tu et qu'est-ce que tu ressens avec ces nouveaux acquis dans ta future vie ou dans ta future relation. Alors comment est-ce que ça se passe avec cette nouvelle personne lorsque tu sens de l'assertivité, de la confiance en toi, lorsque tu sais te positionner et que tu n'as pas à constamment quémander, disputer, vivre des émotions? Non, tout simplement parce que tu arrives à rester toi-même, tu as de nouvelles ressources en toi et tu te sens bien avec ça. Donc comment est-ce que c'est? Comment ça se passe? Ressens toutes ces choses-là. Tu sens un peu, donc les nouvelles projections, ça va t'aider vraiment à induire à ton cerveau que tout ça c'est bien plus positif et qu'il faut aller dans ce sens-là. Quand tu auras intégré et compris tout cet exercice-là, je t'assure, ce sera un véritable cadeau pour ta vie future. Je t'invite alors à partager cette ressource maintenant, à liker, à t'abonner à ma chaîne Épanouie Vie. Je te dis à très bientôt. Et coach en mon vôtre pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. N'hésite pas aussi à me challenger, bien que j'ai beaucoup d'idées. N'hésite pas à me challenger. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on évoque la prochaine fois? Voilà, je suis là pour vous aider. À très bientôt !